Madame, Monsieur, bonsoir. Nous commençons avec Bantit, sa zone là, pour pèlerinage puis à Laval, Salanella, pour décentraliser la messe et que la prière dans bonne paroisse. Pour aussi prolonge pèlerinage entre les 16 août et les 30 septembre, Task Force, Tizouan Zodi, sous présidence, premier ministre. Repo rate reste pareil, la Banque Maurice peut maintenir sa taux là à 1,85% par an. Le gouvernement déterminé pour accélérer prise économique, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amendements de Finance Bill, d'après premier ministre, et complice, il y a beaucoup de défis. Dans plusieurs secteurs. Visant innovation, formation professionnelle et soutien technologique pour faire face à un défi productivité dans Maurice, conclusion principale est le titre NPCC, la Banque mondiale. Déo, 41 Dimoun perdit la vie dans un accident bis dans Mali. Merci au Peguet Nouzonal. Premier ministre Pravin Jugnauth souhaitait qu'il prend toute disposition sanitaire pour assurer bon déroulement pèlerinage vers Cavo Bienheureux Pelaval les 8 et les 9 septembre prochains. Les demandes ban mauriciens observent pèlerinage avec même ferveur que d'autres et suivent ban différents la messe et l'émission à la télévision avec un minimum 50 fidèles. Fin prévoit décentralisation la messe et la prière dans différentes paroisses, mais aussi prolongement pèlerinage, c'est-à-dire depuis le 16 août jusqu'à les 30 septembre pour qu'il y ait un fidèle capable de recueillir les autres que tombeau Pelaval par groupe 50 moun. Un gouvernement déterminé pour accélérer les prises économiques, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amendements dans le Finance Bill. C'est ce qui le Premier ministre fin dit hier pendant son intervention. Le débat, Pravin Jugnauth fin indiqué que le Finance Bill est encore plus gros à l'année là à cause qu'il y a beaucoup de défis dans plusieurs secteurs. Le Premier ministre fin fait un survol d'un amendement qui touche un département sous sa responsabilité. Migan Ponapanaiken. Avec Finance Bill, permet un amendement à 93 la loi. Ça ban changement là pour permettre d'adapter sa ban la loi là à ban nouveau défi d'après Premier ministre. Pravin Jugnauth dit qu'il ban réforme bisin continuer pour créer un environnement propice pour faire business, mais aussi attirer ban investissement direct étranger. There was the need to put in place all legal, administrative and fiscal instruments to instill confidence, rekindle investment, boost exports, increase competitiveness, and create the right environment for a culture of integrity and excellence to percolate across all sectors. Depuis l'introduction premium visa en novembre 2020, fin gain 685 demandes. Sa mesure-là vise principalement ban dimoun retraités, mais aussi ban businessmen qui ont envie de travailler dans l'environnement sûr. Avec ban amendement à Civil Status Act, ban certificat naissance et mariage pour capable délivrer online à travers la plateforme MoCloud. En plus de ça, ban l'hôpital et clinique pour servir même formulaire pour notifier bureau l'état civil naissance et enfants. Quant à un amendement à Prevention of Corruption Act, Premier ministre dit qu'ils visent pour améliorer l'efficacité LICAC dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Aussi, validité ban attachment orders peut passer à 6 mois. The validity of attachment orders is being extended from 60 days to 6 months. Money laundering investigations, especially complex ones, as well as those with international ramifications, often take time, and the 60 days validity period of such attachment orders is often too limitative. Au niveau de la lutte contre blanchiment d'argent et financement terrorisme, mis à part Financial Intelligence Unit, commissaire à la police peut aussi autoriser à faire une demande pour un account monitoring order au niveau de la cour. D'après Pravin Jugnauth, un amendement qui est né dans Finance Bill démontre volonté gouvernement pour élever les défis actuels et diminuer l'effet pandémie COVID-19. I am confident that the amendments in the Finance Bill that will give effect to the numerous measures announced in budget 2021-2022 will enable us to deal with the pandemic and its fallouts in an effective way. And of course, we are looking forward to strengthen and speed up the path to economic recovery. Commencement sur l'intervention, Premier ministre fin déplore l'absence de l'opposition d'emparlement.
Monetary Policy Committee, la Banque Maurice peut maintenir taux directeur à 1,85% par an, gouverné à la Banque Maurice Horvège Sigulam, qui face à la presse aujourd'hui tantôt. Les fins causent le rôle de la Banque Maurice dans le contexte pandémie. La Banque Maurice peut prévoir une croissance PIB réelle 5,5% pour 2021. Wikipédia ou plus bonnet, Premier ministre Pravin Jagnauth souhaitait qu'il prend toutes dispositions sanitaires pour assurer bon déroulement pèlerinage vers Caveau, Bienheureux et à Laval les 8 et les 9 septembre prochains. L'épidémie de Mauricien observe pèlerinage avec même ferveur que d'autres et suivent en différents lames et que l'émission de la télévision. Avec un minimum 50 fidèles, fin prévoit décentralisation lames et la prière dans différents paroisses, mais aussi prolongement pèlerinage depuis les 16 août jusqu'à les 30 septembre pour qu'il ban fidèle capable de recueillir. Le tombeau Père Laval par groupe 50 moun. Thierry Ramassormi. Caveau Bienheureux Père Laval est un haut lieu de prière pour accueillir Ben Mauricien les 8 et 9 septembre prochains. Un pèlerinage qui peut faire dans un contexte particulier avec pandémie COVID-19. Premier ministre souhaitait qu'il tout ben disposition sanitaire prend pour assurer bon déroulement pèlerinage vers Caveau Père Laval. Elle demande à Ben Mauricien pour observer pèlerinage avec même ferveur, mais risque d'autres en suivre ben l'émission, l'eau télévision, à travers ben la prière et ben la messe. Je l'appelle surtout à tout le monde, ce qui, vu la pandémie, nous besoin surtout agir comme un citoyen responsable et nous besoin prendre toutes les précautions. Qui nous habite, qui nous peut prendre d'ailleurs dans la vie de tous les jours, mais en complice dans un moment comme ça, parce qu'il ne fallait pas énormément beaucoup de monde qui regroupait, parce qu'il est là même, nous commençons à gagner des clusters, nous commençons à gagner des cas de contamination qui peuvent augmenter. Le peu de personnes qui sont capables de bouger aller, et pour les autres qui peuvent suivre à travers la télévision, les médias, qui. Bien sûr, ils ont fait aller avec même ferveur et même enthousiasme qui fait une prévaloir dans le passé. Avec un minimum 50 mounes, décentralisation ben la messe et ben la prière peut préconiser dans ben différentes paroisses, mais aussi prolongement pèlerinage, soit entre les 16 août jusqu'à les 30 septembre, pour qui ben fidèle capable de recueillir les autres en petit groupe 50 mounes que tombeau la peau des pauvres. Ben fidèle, vous êtes aussi demandé pour faire les autres enregistrer. Comment pour ben la messe dimanche avant cette halle, les 8 et les 9 septembre, dans Caveau Père Laval. Tout le monde demande, comment dire, fin, vraiment accepté par le Task Force. Alors, ce qui nous veut dire, c'est l'année dernière, moi, nous tout connaît, tout le monde pèlerin mauricien, le pèlerinage, pas pour capable d'avoir un lieu comme d'habitude. Donc, nous pouvons passer nécessairement par une inscription. Tout du monde pouvait s'inscrire. Les milliers de gens qui ont l'habitude de venir au Caveau, nous vous demandons de rester dans vos paroisses, de rester chez vous et de participer, de célébrer ce pèlerinage entre vous dans vos paroisses. Différents ministères et organismes participent à cette réunion-là. Ben Requête fin considéré à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Innovation, formation professionnelle et soutien technologique pour répondre à un défi productivité dans Maurice. Ses conclusions principales en l'étude commanditée par NPCC auprès de la Banque mondiale. Rapport la fine publié aujourd'hui pour NPCC, une recommandation sur l'étude là pour bien utile à l'entreprise, surtout dans un contexte difficile marqué par l'impact COVID-19. Candy Mangra, Claudel Geoffroy Gadivadou. Pour augmenter niveau productivité dans Maurice, nous visons qu'on d'abord nous ban faiblesse. C'est dans ce contexte-là que plus de 700 entreprises, petits, moyens et grands, finissent sonder le SACISELA en février et novembre 2020. De très présent, tout ban secteur d'activité. Ça l'étude là, l'îlot 3 principales axes, transformation structurelle de l'économie, l'environnement des affaires et compétences le marché travail. Premier constat, même si coût main d'œuvre reste relativement élevé dans Maurice, productivité de l'entreprise pas suivre. Ça expliqué notamment par niveau inadéquat compétences et que formation professionnelle et technique. À cause de ce mismatch-là, beaucoup d'entreprises pas capables de remplir un poste vacant, recrutent un travailleur local ou modernisent le processus de production.
En leur observation, ces faibles participations ban madame le marché de travail à cause en un manque de mécanisme de soutien comme ban la crèche, le ban lieu de travail. Ban entrepreneur et ban autorité sont ainsi appelés à investir dans un vaste programme renforcement compétences ban travailleurs en favorisant formation, l'innovation et ban nouveaux technologies. Sarah Paula montre clairement que ban til entreprise investit moins dans formation. Une hausse dans productivité selon Sarah Paula pour amène automatiquement une hausse compétitivité mais aussi une hausse dans salaire. Par ailleurs, l'entreprise qui fait sonder vient identifier trois contraintes majeures, l'accès à finances, concurrence de l'entreprise informelle qui n'est pas enregistrée et le taux d'imposition. Pour que Maurice reste un modèle réussite économique dans la région et qu'en Afrique subsaharienne, la Banque mondiale estime qu'il nous faut continuer à diversifier l'économie, investir dans un nouveau produit et qu'encourage l'innovation et l'apport technologique au sein de l'entreprise. Ministère de la Santé fin rapporte 96 nouveaux cas COVID-19 sur 10, tout pile un symptôme et 5 nouveaux admissions dans l'hôpital INTI, plus que 564 610 mouns finis faire tous les deux doses vaccins. Existément, on est pli et n'a doute l'oban vaccin contre COVID-19. Plusieurs études dans le monde confirment cette viabilité. Elles contribuent beaucoup pour diminuer taux d'infection et admission dans l'hôpital de Maurice, alors qu'il plus que la moitié population fin complète vaccination contre COVID-19. Le nombre d'immunes asymptomatiques peut augmenter. Vidima Siboran, Ria Rambojan. Ban vaccin fin binastella en zorme incontournable dans combat contre COVID-19. Zot mode d'action, c'est zot entraîne et que prépare système immunitaire à reconnaître et aussi combattre ban virus et que ban bactéries. Ce vaccin-là contenir une partie du virus, ou soit le virus en entier, mais inactivé. Quand le vaccin rentre dans le corps, le système immunitaire identifie ce vaccin-là comme un corps étranger. Et il commence à produire un anticorps contre ce vaccin qui fin metté avec la personne concernée. D'après l'étude qui fin réalisée par Imperial College dans Londres et Ipsos Mori, l'opliski 98 000 volontaires, ben dimoun qui fin fait un vaccin zotena trois fois moins sens gain COVID-19 comparé à ben dimoun qui pas fin fait un vaccin. Pendant une conférence de presse dans l'Organisation mondiale de la santé, Dr. Bruce Aylward fin cause l'efficacité d'un vaccin. Ben preuve assez claire que tout ben vaccin a un effet positif lors ben maladie grave, ben hospitalisation et ben décès. Ben d'immune vacciné, zot mieux protégé. 564 607 Mauriciens fin ziscalaire fini complète zot vaccination. En cas d'infection, zot moins à risque. La plupart des personnes qui sont vaccinées là, sont pour asymptomatiques. Mais à cause d'un certain vaccin, ils ont déjà un anticorps. Pour moi, ils sont exposés avec le virus. L'anticorps là, pour travailler tout de suite, il est pour baisser le nombre de virus dans le corps de la personne. Même si vaccination l'est bien aidée pour empêcher la propagation du virus, il est indispensable qu'ils nous respectent les barrières. Et justement, l'exercice vaccination pour tout un adulte peut progresser dans le pays. Presque 700 000 d'immunes fin déjà vaccinés une première fois. À part de 300 vaccinations, fin aménage ban sens social pour ça l'exercice-là. Soumeira Ogbarali, sur l'équipe, c'est dans le haut chez Terre Rouge, au 10 grand matin. Jess Matsadan a 80 ans. Sa habitant le haut chez là fin vient faire ce vaccin contre COVID-19. Sa priorité, c'est un bon la santé. Je viens faire ce vaccin là pour ce malade là pas contaminé avec nous. Je suis à l'hôpital, je suis à l'hôpital, je suis à l'hôpital. Récemment, il décrète le hocher zone rouge depuis ça l'île aux Sogodes, ben habitant est plus sensible à l'importance vaccination. Pour la santé, tout reste correct. Pour moi, je ne vais pas faire ça virus avec mon camarade. Pour moi, gagner la santé, plus si bon que ce qui peut passer dans le monde entier, ce vaccin là est bien meilleur. C'est important beaucoup pour faire un vaccin là, à cause. Pour nous-mêmes contre ce Covid-là, parce que trop beaucoup malade. Mes enfants sont là, ils ont besoin de faire vaccin là. Ils ont des enfants, ils ont l'école. Pendant le confinement, nous trouvons zone rouge, c'est pour la même. Beaucoup d'habitants finissent après nous pour faire vaccin. Nous récits couvert un peu les hochers. 10h30, plus que 120 personnes qui ont déjà fini la première dose vaccin Sinopharm ici.
dans le monde, une cité comme exemple. Et encore une fois, au niveau de la vaccination sur le continent africain, nous parmi les premiers pays qui nous fait le plus grand nombre de sa population vaccinée. Nous campagne, l'IPALE a nous dit à l'ingain sa vitesse de croisière. Nous très satisfaits, response le public de Banabitan Terre Rouge, de Banabitan Le Hocher. Nous comptons qu'il dit bon, il comprend que c'est la solution, c'est la vaccination. Aujourd'hui, je suis content que, comme si, la vaccination est un petit peu plus près avec eux. Presque 700 000 dimoun dans le pays fini vaccinés une première fois contre COVID-19 et plus que 560 000 dimoun fin des infinis gains de D12 vaccins. Émission Focus aujourd'hui pour intéresser à l'éducation dans le studio à Kevin Kapesa pour recevoir vice-premier ministre et ministre de l'éducation Lila Devi Dukan Lachuman et ministre de la santé Kailesh Jagatpal. Zot pour cause notamment l'obanka COVID-19 dans ban l'école, résultat HSI, protocole sanitaire dans ban l'école et aussi l'arrivée bientôt ban nouveau cargaison vaccin contre coronavirus. Donc à suivre aller l'OMBCN et KMBCSAT à 20h30 Focus Éducation. Nous causons à Stella un magazine qui est entièrement consacré à secteur l'épaule, lancé pour première fois. Ce mois-là, il amène le lecteur pour découvrir sa secteur clé, l'économie Maurice-là, ce nom pour lui digest. Et c'est un magazine trimestriel. Dassa à Palasormi. Port-Louis Digest, sa magazine d'environ 140 pages là, pour faire un voyage au Caire, capitale, l'île Maurice. Il amène nous à la rencontre des bonnes personnalités, monsieur et madame, qui fait vivre le secteur économique pour lui. Mais il y a aussi cause le bon projet et que vision de certaines personnalités pour la ville. Sa magazine-là, il porte une attention particulière à secteur portuaire. Et pour sa première édition, l'histoire de la capitale et ban métier je privilégié. C'est un secteur qu'on connaît très peu. Pourtant, le secteur portuaire abrite 350 compagnies, même plus. Et le secteur portuaire est un grand employeur de Port-Louis, voire de la nation. Port-Louis Digest, c'est un magazine qui a du contenu en anglais et en français. Donc, Port-Louis Digest apprend à connaître ce secteur plus en profondeur, avec des entretiens non seulement avec les chairmen et les CEO, mais aussi avec des employés. Et nous accordons aussi la parole aux policy makers pour savoir vers quoi est-ce que le port de Maurice se dirige. Port-Louis Digest, est un magazine trimestriel. Il est gratuit et est disponible en copie papier ou en version PDF. Mon retrouve-vous après publicité. Ah. Des hauts bilans, victime d'un accident circulation qui n'arrivait aujourd'hui dans Zambougou, dans Centre Mali, final aujourd'hui à 41 morts, 33 blessés, d'après ministère transport et infrastructure d'un communiqué. D'après un précédent bilan, il y a 37 victimes, un bus fintap avec un camion. Nouvel étant avant de terminer, situation générale, un avertissement gros là où l'envigueur dans Maurice et que pour valable jusqu'à 10h demain, Banias associé avec un système frontal pour influence toujours les temps. Le Maurice, par ailleurs, assez fort anticyclone, peut occasionner un étang avec beaucoup de vent et frais. Le Nourésion, prévision pour prochaine 24 heures, pour une Banias à soi avec la pluie passagère, principalement dans l'est, les sites et le plateau central. Pour une ban poste brouillard au hauteur, ce qui pourrait réduire visibilité. Pour une ventile appli des mains ou ban versant au vent dans les autres endroits pour une beau temps. La mer pour faux à très fort au-delà ban récif avec ban la houle depuis sud-ouest. Ça ban la houle là des 4 mètres au terre pour défaire dans ban lagon l'ouest et que les sites surtout à l'air ban marée haute. Fortement conseillé à ban PCR plaisancier et public pour pas sortir en haute mer, de même qui dans ban lagon l'ouest et que les sud quand marée haute. Soleil pour lever des mains dans Maurice 6h37.
Nous on a fini ici. Merci. Passez une bonne soirée.